Coucou, on reprend. Donc on est toujours dans le Grand Marais, toujours paumé. Je sais toujours pas où je dois aller. Parce qu'apparemment, le chemin devait être d'un côté du pont où je n'étais pas. Je vois qu'il manque aussi un squelette mage. C'est réglé. Donc là, le chemin, il est que ici. Petit peu d'or. Donc il faut faire un gros retour en arrière. À moins que le chemin, je l'ai raté là-bas. Mais là, ça serait pire parce que après mon gros retour en arrière, il faudra que je fasse un gros retour en avant. C'est pas beaucoup mieux. Moi, je veux juste savoir où faut que j'aille. S'il vous plaît, dites-moi où je dois aller. Je vais traverser là. On va fouiller ici. Pas par là. Petit passage par là peut-être. Il y a des corbeilles. Il y a des trucs bizarres qui nous crachent des éclairs dessus. Franchement, ils ont pas que ça. Ils ont que ça à foutre de leur vie, eux. Ok, on fait du tour. C'est le passage qui servait à rien. Donc on reprend le pont pour traverser plus loin et retraverser encore plus loin. Bloqué par un arbre. Oh. Donc je traverse sur ce tronc d'arbre. Et je retourne encore plus loin en arrière. Le début de l'acte 3, c'est un labyrinthe. J'ai fait un super long chemin. Perdu ma souris. Pas grand chose. Ah ouais, je repars vraiment au tout début du tout début. J'ai raté le chemin. Ah, à moins qu'il y ait un chemin là-bas. J'ai peur, on dirait comme s'il y avait un chemin sur la carte. Non, non, il n'y a pas de chemin. Que je m'assure, non, il n'y en a pas. Donc je retraverse encore ici. Retraverse là. Il va falloir que je retraverse encore et il va falloir que je taille par là donc. Là, je suis allé voir, il n'y avait rien du tout. Il y avait un coffre qui était planqué. On régénère l'endurance. On va dire que c'était une marche pour l'XP. Et on va traverser là. Allez, franchement, forêt de l'araignée, caverne de l'araignée. Y a pas un petit signe? Rien par là. Coucou, on cherche une caverne de l'araignée, on cherche un chemin, tout coup. En fait, on cherche quelque chose. Rien. Si, y a un joyau, un anneau quand même. C'est des trucs intéressants. Alors là, qu'est-ce qu'il y a? Que dalle, que dalle. Ah. Vous cachez quelque chose par là? J'aime. Améthyste, ok. Tout? Je suis venu là pour une améthyste. Une clé mort. Ces monstres là, c'est les Tarlouses, ils fuient. Je sais pas, mais on va t'aider. C'est pas des chasseurs de la jungle, c'est les Tarlouses de la jungle, ouais. Une deux couilles par du bord en courant. En même temps, c'est vrai qu'avec ma technique, c'est ils prennent deux coups, c'est dire qu'ils ont tapé deux fois. Alors, on maudit tout le monde. On réussira à faire une quête. Parce qu'on le vaut bien. J'ai encore choisi un côté. À tous les coups, ce sera de l'autre côté. J'ai
J'ai plus beaucoup de souvenirs de cet acte-là, donc je ne peux pas vous raconter beaucoup de choses. Juste que mes collègues de squelettes, ils s'éclatent. Ils font tout le boulot. Ils le font pas trop mal. Les packs sont trop petits, c'est pas marrant. Je m'ennuie. Mais des gros packs. Je vais faire des vrais rentes dedans. On va bientôt passer niveau combien? 23. Ah, il me semble que niveau 24, j'aurai encore un nouveau golem. J'aurai... Oui, je passerai sur le golem de fer. Quoi ça? Ressuscité. Ah mais c'est ça, oui, c'est ça, c'est le truc de que je veux aussi. Ça, on passe ça plus tard. Il faut être niveau 30 et on n'y est pas encore. Et la seule fois où j'ai eu un nécromancien qui était niveau 30, il était absolument intuable. Une fois que j'avais mon armée à côté de moi, je faisais tout ce que je voulais. Et j'avais vraiment une putain d'arme. Personne. Il était mort. Amulette, de l'or. Ça m'a bouché. On traverse. Et on retourne en arrière. Ah, 6 potions de soin. Potions de santé, on prend. Peut-être le chemin. Peut-être quelque chose ici d'intéressant. Encore un pont. Mon armée est là, mon gars, c'est fou, mon armée est là. Dépêchez-vous là. Envahissez quoi. C'est pour moi qui vais me bouger les fesses, c'est vous. On est par là. Je pense qu'à un moment c'était moi la première ligne, donc j'ai eu très très peur, encore une fois. Ouh, des toiles d'araignée. Peut-être la caverne de l'araignée. Ah, ça sent la caverne de l'araignée ici. Ah, bah là, voilà la caverne de l'araignée. Cette fois-ci, c'est la vraie. On va fouiller les alentours. On va aider nos copains qui se battent de tous les côtés. C'est taré, je peux pas vous aider à travers les murs les mecs, fais pas les cons. Hein. Et y a que ça. La suite ce sera par là donc. Ah, c'est un chemin ou c'est juste. Oui c'est un chemin, ok. Donc on va aller là. Oui en fait c'est mieux. Si toi-même tu passes de l'autre côté du mur, c'est mieux pour ramasser. Allez on est parti, caverne de l'araignée. Alors ça ressemble comme deux gouttes d'eau à l'autre. Ah, cette fois il n'y a vraiment que de l'araignée. Du coup repère de l'arachnide avec les autres bestioles. Si elles avaient 8 6 7 ça. Ouais alors vous devez ressembler aux araignées. Je vois Arachnid, j'accepte. Je suis trop chargé. Trop chargé déjà. On se remplit trop vite. On va trouver un truc. Ah, bien sûr qu'on peut le prendre le rubis. Voilà. Pas marqué niveau 1 donc c'est tout est en un seul étage. Il y a des vertes et des rouges. Comme on dit c'est coloré. Là il y a quoi là? Il y a de l'araignée. Là il y a rien. Là il y a vraiment rien du tout. Ah le coffre est là. Et là, faut que j'aille là-bas.
Ouais, j'aime bien tout visiter. J'arrive les copines. Et vous pouvez pas vous grouper un peu, faire des vrais packs, on vous le dit toujours. Vous êtes plus fort quand vous êtes groupé, alors groupez-vous, mince. Et aussi, c'est vrai que vous rapportez plus d'expérience aussi, mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est joindre l'utile à l'agréable. Alors. 14. Et là, on va passer à 50. La partie mes points, toujours au hasard. J'avais quasiment 500 pièces d'or là. Je n'en reviens pas comme ça, mais je suis très riche. Ah, ça c'est un boss. Le coffre, c'est de la merde. Je ne peux pas me charger. Alors, le truc là, je peux le taper. Ouais, je m'en fous. Oh, le tarquois, je m'en fous, c'était sûr. Ensuite, le reste, on s'en fout aussi. Oh, par là, hop. Prends le sprint. On va passer par là-bas. Un petit chemin ici. Hors de l'or. On a trouvé où était la fin de la caverne. Maintenant, ce qu'on veut, c'est tuer tout le monde. Ah, j'avais pas fait gaffe, mais... J'étais mort, mes petits copinous. Allez, la, compa... Allez, la bande à Picsou, on y va. La bande à Picsou. Arrêtez de me taper, mince. Tapez les autres, je vous ai dit, ils sont là pour ça. J'arrive. Oh, un petit pack pas mal. Il joue l'ispack. Ah, quand même, au moins une dizaine. Plusieurs épaisseurs, c'est joli. Ça, je vais le décaler là-bas. Là-bas. Je vais ça là. Tac, ça va, je la consomme. Ok, et le cerveau, c'est dans la prison de l'écorcheur. Je suis trop le chargé. Le home, est-ce que je peux le porter? Hop, voilà, je peux prendre le home. Le Chris, est-ce que je vais pouvoir le porter? Oui, le Chris, il fait quelle taille précisément? Il fait tout ça? On va acheter ça. Voilà, on se casse. Alors, on va passer par là. On va les visiter ici parce qu'on n'est pas allé voir. Y a pas plein d'araignées qui veulent se taper? Pas une seule araignée. Quoi. Pas une seule araignée. J'ai fait un détour pour rien, mais totalement. Ouh, c'est quoi ce gars en boîtier mort? Et mince, ils ont nettoyé les cadavres. Et comme j'avais oublié de ressusciter, je peux plus ressusciter. Comme ça, il y a une améthyste toute seule, on sait jamais. Hein. Là, j'ai pas laissé les corps. Et il en restait un. Ah, voilà, j'ai tout laissé, plus de tout ressuscité. On va aller fouiller par le sud. Allez, les mecs, repartez devant. Là. Non, c'est pas impressionnant, ils sont que 3 à charger. Dans mes souvenirs, ils étaient 20 à charger des fois. Arrivez-vous là? À part là. La jungle de l'écorcheur. Ah! Pas assez intéressant comme nom, la jungle de l'écorcheur. Il me semble que j'avais une mission dans la jungle de l'écorcheur. Que j'ai toujours d'ailleurs parce que c'est pas fini. Ah ben voilà, ça c'est du rush. Là ils font peur. Là je pense que je peux plus jouer les héros. Ah, ils ont même buté hein. Ouh, ils me font peur là. Là ils font très très peur. Là par groupe on va forcément faire des malédictions pour être sûr qu'ils viennent pas.
Oula, il fait quoi? Voilà, l'enfoiré. Faut qu'il fasse gaffe avec son feu, lui. Il fait mal, il fait peur. Ça, c'est un objet pourri. Ça, c'est verrouillé. Ah, tiens, il téléporte. Ah. On en a eu un, on en a eu deux. Oh, on est blindé, donc on va se TP en ville. Coucou. Ah, l'œil de Kalim. Cette relique nous indiquera la tanière de Mephisto. Placez-le dans le cube au Radrim avec les autres reliques de Kalim. Le cœur, le cerveau et le fléau. Ok, c'est cool, Tali. J'ai plaisir à vous revoir. Merci. Coucou, copain. Je vais tout revendre encore une fois. Bon, on embarquera comme contre le 1 et le 2, Ken est devenu sympathique. Bonjour. Il ne nous fait plus payer. Non, non. Sorceleuse. Alors l'anneau. De la merde. De la merde. S'en fout. Bon, on va remplacer par celui-là. Ça on n'y touchera pas, allez ça je vends. Il me semble que le casque pour la copine il est pas mal. 26, ah non en fait il est mauvais. La copine elle est sous équipée quoi, mais pourquoi elle me fait de la peine hein. Donnez moi des vrais équipements pour elle, et aussi pour moi, parce que moi aussi je me fais de la peine. Du haut de mes 200 points de vie, je me prends deux coups je meurs. Je stocke et je stocke ça dans le Bora Dream. Et on y retourne. Alors je vais être prudent, je vais directement reculer. De ce petit chemin qui rentre dans la forêt là, je sens qu'il y a quelque chose. Oh, oh oui, ça se trouve, ça c'est du bon rush. Bien arrêté. Toujours ça, mec, je l'ai vu cracher le feu. J'ai tout de suite dû racheter mes squelettes. Tout ? C'est juste un truc pour traverser ici ? Non, me fais pas ça. Je suis sûr qu'il y a un truc sympa ici. Mais je suis sûr que je suis pas venu pour rien, alors me dites pas ça. Un truc pour traverser. Arrête de me taper, mince. C'est vrai que je suis devant, mais quand même, c'est pas une raison. Là, il y a un chemin inutile. Et ben si. C'était vraiment un truc inutile en fait. Voilà nos minces. Ah, vous allez rater celui-là. D'ailleurs le mur, donc galérer pour le trouver. Bon, on va retourner là-bas alors. Je pensais pas que l'acte 3 serait si compliqué au niveau carte. L'acte où on gagne le plus en fait au niveau des cartes. Mais t'es un cinglé toi putain. Mais ça t'arrive souvent de faire ça quoi. Mais buter le puis c'est tout quoi, il a pu me tuer. J'étais allé le crever pour rien. J'ai failli mourir mais super bêtement quoi. Le mec au lance-flamme, c'est un taré. Non mais oh. Non mais oh. En plus, ils me font dessus, j'ai ici. Je t'ai dit, c'est pas moi qu'il faut taper. Tape mes copains. Ok, donc on reprend le chemin. Oh punaise. Je me suis fait pipi dessus. J'avais 2 pixels de vie. Quoi. Alors, le nouveau chemin. Donc si je me souviens bien, dans la forêt de l'écorcheur, on cherche le Gibbin. Ah, sanctuaire en courant, ça c'est cool.
j'ai bien retenu la leçon. T'as des packs comme ça. Quand t'as des têtes comme ça, t'as une tête de zombie. Quoi, une tête de zombie? C'est ça. Il manque un squelette. Voilà, mais crachez pas votre feu, vous. Enfin, surtout, c'est pas grave, vous pouvez cracher votre feu, on va dire. Et quand vous crachez le feu, les mecs, faut les buter en priorité. Ils sont bien plus terribles que ces petits-là. D'ailleurs, vous les dites d'abord, je trouve que mon armée, elle les bute bien, les petits. C'est ça, avec une efficacité. Je dirais qu'ils l'ont fait toute leur vie. Oui, j'ai cliqué sur... C'est pas un jeu de très grande précision, Diablo. Oh, mon squelette, moi, c'est mêlé. Par moi, il a survécu. Bravo. Bon, ils l'ont bien mêlé. Hein. De l'or. Ouf. Bon, avant qu'il a craché le feu. Ouh, c'est nombreux. Tu tires dans quelle direction, toi? Un bouclier normand en Diablo. En Diablo, il y a la Normandie, quoi. C'est quoi ce bordel? Mon armée s'est fait cramer. Arrêtez avec vos lances, la malanois. Ça non. Encore un copain. Tiens, on a changé les monstres. Attends, on a des espèces de vautours bizarres. C'est bon, on peut y aller. Allez, on y va. Ah, donc un squelette. C'est compliqué quand même, hein. Ah, ce que je veux dire, c'est pas compliqué au niveau du jeu, mais c'est relou au tout. À ce moment-là, autant de changer pour les sorts. Un fléau, peut-être le fléau Radrim. Non, mais quand même, ça peut pas être le fléau Radrim. Ce sera pas le fléau Radrim. On est où ici? Ah, bah elle est là. J'ai pas cliqué dessus. Ah, si, toi. Simplement, voici une arme puissante. Ormus m'en dira peut-être plus. Rajeunissement, santé, santé. Oh, parfait, de la santé. C'est tout. Il n'y avait que ça ici. Eh tiens, il y a quoi ici? La prison de l'écorcheur. Ah, si, la prison de l'écorcheur. Ma troisième quête ici. C'est quoi les monstres? Oh, punaise! Alors, dans les petits couloirs, je sens qu'il peut me bloquer facilement. Faut être très méfiant, mec. Oh, un truc d'XP. Oups! Je l'ai vu, il a essayé de me cramer. Chauve-souris du plafond. Oh, putain, il y avait même des chauves-souris. Je les avais pas vus. Ah, le beau rocher là-bas. Donc là-bas aussi. T'avais pas sur moi, mince. Je vous offre des squelettes et vous tapez sur moi. Bande d'ingrats. Bah non, nickel, on a bien géré. Il y a marqué niveau 1, donc il faudra qu'on aille jusqu'au niveau 2. Oh punaise, du poison. Il y a des pièges partout. Alors soit on peut mal, soit on se positionne mal, soit mon armée elle a du mal dans les couloirs. Pourtant ils sont plutôt épais les couloirs ici. On va fouiller par là. Ok, j'ai fait un super tour pour rien, mais c'était joli, c'était artistique, c'était... C'était un grand moment, je trouve.
Allez, mec, vous êtes 3 contre 3. En fait, au début, vous étiez peut-être 3 contre beaucoup, mais au final, ça s'est équilibré. Là, il y a quoi là? Là, il y a une petite cellule. Il y a même quelqu'un qui me tape dessus. Il y a des chauves-souris de la mort. Charme. Non, je sais pas. Alors. Arme, potion. Le reste, on s'en fout. Là-dedans, c'est quoi? C'est que dalle. Ouais, en fait, c'était une cellule, quoi. Je suis parti me mettre en prison tout seul. C'est cool, mon rêve, c'est toujours été de me mettre en prison. Là, on a l'accès au niveau 2. Bon, on va finir le niveau. Allez, l'endurance en retour, il me reste, je pense, juste une salle à faire. Ça devrait pas être bien long, ça se trouve, elle a déjà été faite en fait. Ah, par contre, ouf! Mais arrêtez de vouloir me tuer comme ça, quoi! Encore une fois, une frayeur. Bon, on se fait une frayeur, mais c'est fini, franchement, l'armée prend le boulot. Nous, on les regarde, donc on se moque un peu d'elle. Parce qu'on dit que le fait trop lentement. Les rouges? Quoi les rouges? Pourquoi est-ce qu'ils sont tout rouges ceux-là? Ils sont restés au soleil, ils ont bronzé. Ça doit être ça. Ils ont dû faire quelques UV qu'ils ont mal supporté. Je suis une cote de maille bizarre. Tac tac, ça peut prendre la cote de maille. Et c'était tout. C'était tout. Maintenant, on va faire le niveau 2. The level 2. Level 2. Un petit cadavre. Voilà, s'il y a un petit cadavre. En avant. Niveau 2. Ok, que dalle pour l'instant. Que dalle par là. Ah, quoi qu'il y a un petit chemin ici. Mais c'était pour rien. Moi, on l'a vu que c'était pour rien. Du coup, on n'y retournera plus. 28 minutes de vidéo déjà. Ça va être compliqué de terminer, hein. Je sais pas comment on va pouvoir le faire. Oh non, maintenant des nains, mais qui tirent de très loin. C'était déjà assez compliqué à faire. Et comme c'était même très très simple à faire. Et avec des nains qui tirent de loin. C'est bien bien plus compliqué. On remet le sprint. D'ailleurs, je sais pas ce que dame de faire, ça fonctionne sur le tireur à distance. Directement, ça fonctionne pas. Je pense que ça fonctionne que sur les corps à corps. Ouh, j'ai eu un brûlé. Au 6ème degré. Même. La ceinture, on va trouver un moyen. Voilà, la ceinture est trouvée. On trouve toujours un moyen. S'il y a que le niveau 2, je dois pouvoir terminer l'épisode dans les temps. S'il y a un niveau 3, je vais réfléchir si vous ou non je fais un épisode un petit peu plus long pour finir ou pas. Il y a un niveau 3. Merde. Ah. C'est pas pour m'arranger ça. C'est pas pour m'arranger. Il me manque un mage. Ah. Attendez, j'ai lu 4 mages de squelettes. Ah, les mages de squelettes, on peut en avoir 4. Ou alors c'est mon boost d'aptitude qui booste ça. Alors ça c'est un peu dangereux. Là, il n'y a rien du tout. Ouais, c'était ça. Donc les mages de squelette, je peux en avoir plus de 3 E. Ça, c'est intéressant à savoir. Donc je peux me faire une armée de mages de squelette si je veux. Ok, on régénère l'endurance. Et on va au niveau 3. On en est plus à 3 minutes, ouais. Je pense que ce serait con de commencer un épisode ici. Donc on va faire un petit peu durer celui-là.
Et je me dis que le niveau 3, ça va être le dernier. Et il y avait de la chance, il sera tout petit. On se part là. On va faire gaffe de pas trop rusher. Parce que moi en première ligne c'est nul. Et là il n'y a que dalle. Donc on l'a bien. Donc j'ai très bien rushé vu que j'ai trouvé la seule salle vide certainement. Et la seule impasse. Apparemment non. Les salles vides, ça. Il y en a un paquet de salles vides. Coucou, on cherche des monstres. Mais vous vous tapez contre quoi là? J'ai vraiment pris le chemin le plus pourri. Hein. Coucou. Problème d'endurance. Alors, s'il vous plaît, je cherche des monstres, je sais pas moi, des trucs vivants, des trucs morts, mais juste une activité, parce que je me sens un peu seul là. On remet le sprint. Il y en a un qui est passé tout seul. Il est peut-être mort avant. C'est son fantôme qui m'a touché. Il n'y a que dalle. Mais ils sont sérieux quoi là. Ils sont sérieux de faire un niveau comme ça. Il n'y a rien. Il n'y a rien eu. J'ai fait le tour de la moitié de la salle certainement. Il n'y a rien eu. Il y a un mec à penser à un niveau comme ça. Décalage dans l'urgence. Et il y avait un lance-flamme. M'en fous. Et par là, qu'est-ce qu'il y a? Du coup, ça va être là-bas. Du coup, c'est là-dedans. C'est bon, on a quand même trouvé, hein. Un peu galère, mais on y est. Non, mon dieu. Non, ça va, c'est pas moi qui brûlais, j'ai eu peur, maman. Encore un. Alors, ça, c'est la malédiction. Est-ce qu'il y a moyen de se porter tous les bêtes? Vu ce que j'avais, j'avais moyen. Ouh, l'arc, il y a moyen, ça. Bah, le fléau, on s'en fout. On prend l'arc. 30 secondes. Il faut que je garde. Là, je passe ça là-bas. Je mets ça comme ça. Comme ça, je peux prendre la ceinture. Le bouclier, le môle, le bandeau. C'est quoi? C'est ça le bandeau? Ah non, quand même, mais elle a une belle couleur. Si je vire. Non, on s'en fout de ça. Là, je prends le bandeau. Et je vais certainement prendre ce qu'il y a dedans. Le cerveau, toute la thune. Je ne peux pas me charger plus. Et tu me dis que je peux pas prendre le bâton déformé. Pourquoi? Moi, je suis sûr qu'on peut prendre le bâton déformé. On fait quelque chose comme ça. Il est un peu taré, il est un peu con. Bah voilà. On va virer cette épée de merde. C'est bon. Chercher le cœur. Et bon, on a fini de cet endroit, donc on peut se casser. Coucou. Bonjour. Oh. Parfait. Le cerveau de Kalim nous permettra d'identifier les points faibles de Mephisto. Placez-le dans le cube Oradrim avec les autres reliques de Kalim. L'œil, le cœur et le fléau. Merci, je le savais déjà. Alors lui. Alors c'est pas ça là. C'est ça le cerveau. On va parler à l'autre parce qu'il va être content. On lui ramène son Ghibline. Son Ghibdine, ton Ghibit. On s'en fout. Franchement, on s'en fout du nom. Heureux de vous voir. C'est pas lui qui le voulait? Ah, j'ai pas identifié en plus. Ah, la boulette. J'ai totalement oublié d'identifier. Oui. Non, pas annulé.
la mienne. Attendez. Ah, c'était Ormus. On va y aller, Ormus. Tu as bien agi, noble héros. Ormus te félicite. Les esprits de Skatsim veilleront sur toi pour avoir ramené la lame sacrée. Après toutes ces années, Ormus va à nouveau utiliser ses pouvoirs pour protéger les innocents des forces de l'ombre. Ok. Du coup, c'est ici que je les vends. 33. Ouais, c'est de la merde. Ouais, je m'en fous. Je m'en fous aussi. 46. C'est de la merde. Ouh, non. Amazon, donc c'est pourri. Ouais, c'est pourri. Et ça, ça fait quoi? Prendre la place pour rien. Ben voilà. Conclusion, on s'est fait chier pour rien. Hop, je mets mon argent au cube. Hop là. Et moi, sur ce, quand même 36 minutes, on a un peu dépassé. Je vous souhaite un agréable ce que vous faites. Et au prochain épisode.